Regardez-moi cette beauté, les amis. Tina Street Bob de 2008. Cinq cents exemplaires. C'est magnifique. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le 12 février, un soleil magnifique, il fait pas trop froid. J'ai pas pu résister de vous faire cette présentation sur la moto. Voilà, mais on va quand même se retrouver à la maison juste après parce que je vais vous montrer mon dernier achat. J'ai acheté des valises que je vais monter sur la moto. Yeah! Le château de Villandry. Un des plus beaux châteaux de la région, je trouve. A few moments later.
Alors, on va regarder ces petites valises de la marque Craftride, donc que j'ai acheté sur Motea. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo. C'est une valise en plastique, hein, donc c'est hyper léger. Néanmoins, ça a l'air quand même suffisamment résistant. Alors, on va prendre les différentes mesures. Je vais regarder déjà l'épaisseur du plastique. Bon, voilà, j'ai 2,7 mm à peu près, hein, 2,7 mm. Au niveau des mesures, donc 50 du bord ici jusqu'à la pointe de la charnière. En hauteur, on a 33 sur la hauteur. Et ici en largeur, au plus large, ouais, j'ai 20 de bord à bord ici. Et c'est la partie la plus large puisqu'ici on a 18,5 quoi. Je récapitule. On a 50 en longueur, 33 en hauteur, 20 en largeur. On a une fermeture avec un loquet donc sur ressort, ce qui fait que la fermeture ne peut pas rester ouverte. Mine de rien, c'est pas mal parce que si on la verrouille mal, elle va se refermer quoi qu'il arrive en fait. Elle reste en position fermée en permanence. On a le verrouillage par clé, évidemment. Donc ça, c'est un petit plus quand même. Un autre plus que je trouve par rapport à ce modèle, c'est que ici, on a une charnière qui est sécurisée. Il n'y a pas possibilité de dégonder la charnière. Alors même si on est d'accord, hein, ça reste quand même un bagage plutôt léger, une fermeture plutôt légère, le mec qui veut ouvrir avec un tournevis ici, à mon avis, il y a moyen de le faire sauter, quoi. Ça c'est sûr, mais bon. La forme, elle est plutôt sympa. Elle rappelle un peu la forme du réservoir. La couleur noire, elle est franchement nickel par rapport au Vivid Black de chez Harley Davidson. On est vraiment sur une teinte qui est identique, quasi identique. Et puis, je pense que voilà, on va voir après au niveau de l'intégration ici. Ça devrait s'intégrer plutôt pas mal, je pense. Voilà, on va être à peu près comme ça. Alors évidemment, vous avez remarqué qu'il y a un petit problème, puisque ce modèle de valise n'est pas compatible avec le positionnement des clignotants d'origine sur cette moto. Donc soit on décale les clignotants avec une rallonge ici pour les emmener derrière la valise. Première option. Deuxième option, on change les clignotants. Et j'ai choisi cette option-là. Alors voilà les clignots que j'ai achetés. Donc c'est des Wunderkind, donc ça il y a toute la visserie et les connectiques. Et voilà donc à quoi ils ressemblent. C'est de l'aluminium taillé dans la masse. Ce sont des clignotants 3 en 1, donc ça fait clignotant, feu de position, feu stop. À l'identique du fonctionnement des clignots d'origine à l'arrière sur cette moto. Et ces modèles-ci sont particuliers et intéressants parce que la forme ici du clignotant s'intègre directement dans le support. Je vais vous montrer. Donc la forme en olive de ce clignotant s'intègre parfaitement à l'emplacement en fait du clignotant d'origine. Voilà, donc la prochaine étape de modif sur ma moto, ça va être d'abord les clignotants. Puisque vous l'aurez compris, sans le positionnement de ces clignotants, je ne pourrai pas installer les valises. Et donc ensuite, j'installerai les valises et je vous partagerai tout ça, évidemment. Je vais vous montrer quand même le système de fixation que j'ai choisi. Voilà, c'est des pattes comme ça qui vont venir se fixer ici, comme ça. Alors je verrai après le positionnement que je vais prendre. Je vais certainement donc les installer derrière les fixations de mon CC bar, ce qui fait que je vais pouvoir conserver l'usage de mon CC bar. Hein. Et donc il y en a deux par valise. Voilà. Une comme ça, et le tour est joué. Bon voilà, une dernière chose également que je voulais vous montrer, mais ça sera pour la suite. C'est mon fairing celui-ci, on dirait bien. Et je vous montre ça très prochainement. Mais il y a du nouveau à l'avant de la moto. Donc pour mes abonnés, bah, c'est à suivre très prochainement. Et puis ceux qui ne sont pas abonnés, si vous voulez savoir ce qui s'est passé à l'avant, bah abonnez-vous. C'est tout pour aujourd'hui. Bon week-end, bonne semaine, et puis on se retrouve très vite. Allez, ciao !